Coucou les pinous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau pour une petite vidéo Animal Crossing. Il est tout juste 16h30, nous sommes le mercredi 24 avril. Je sais, j'hésite encore à ce qu'on va faire ce soir, donc tout va bien. Mais là, c'est le moment de voir un petit peu où on en est au niveau du terrier, tout simplement. On avait pas mal avancé la dernière fois, je ne sais pas si on pourra continuer d'avancer à ce rythme. On va voir. Alors, c'est pas assez fort chez moi le son. Ça va, mon chat? Ouais. Tefi est juste là. Je sais pas si vous l'entreapercevez, mais il est là, mon loulou. Alors. Je mange des noix. Un mélange de noix. Que j'ai pas mangé encore. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Non, je te donne pas des noix. Non. Bonjour à tous, chers résidents de Lille. En ce mercredi 24 avril 2024, il est actuellement 16h32 sur le terrier. Yes! Notre chère Racine nous rend visite aujourd'hui. Vous savez, sa présence suffit à me détendre. Si vous êtes à la recherche d'un nouvel ami végétal, il vend des graines et des pousses sur place. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour nous depuis le temps qu'on l'attend. Maintenant, faut espérer qu'il ait des plantes qui nous conviennent. Ça va, mon chat? Sur ce, je retourne à mes activités afin que chaque instant que vous passez sur cette île soit enchanteur. Alors non, je n'ai pas un nombre incalculable de fossiles dans mon jardin. Alors, j'ai réfléchi par contre. Il y a un truc qui me va pas avec mon puits. Je vais faire le changement. J'ai fait une capture d'écran tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Hier soir. Pour pouvoir remettre comme je voulais. Et je vais mettre des pensées. Je vais changer au niveau des tulipes et tout ça. Hop, j'arrive, je me mouche. Parce qu'en fait, finalement, ça me va pas, cette histoire de puits. Oh là. Alors ça, je ferme. Oui, Cookie. Ça, je récupère. Alors, le puits, il était pas... Alors, je vais déjà déplanter les tulipes. Bah non, pourquoi? T'avais une pelle à l'instant dans les mains. Pas bizarre. Cookie. Et heureusement, je n'avais pas enlevé mes pensées.
Alors, j'avais une graine de pensée sûrement ici. Sûrement. Je vais regarder ce que ça donne par rapport à la capture d'écran que j'ai. Ça me semble pas mal et j'en avais une ici. J'en ai marre de ce rhume. Alors, donc ça c'est bon. Et donc j'avais... Attendez, il faut que je reprenne ma capture. Je pense qu'il était comme ça le puits. Ouais. Et est-ce que je peux pas mettre des fleurs ici, à tout hasard? Non mais ça me plaît mieux. Alors il y avait une fleur de pensée rouge juste au-dessus. Mais en fait je vais pas la mettre. Donc ça c'est bon. Oh putain. Ça commence, ça commence. Bon, on va en profiter pour aller se changer. Alors, comment qu'on s'habille aujourd'hui? Donc là, je peux l'enlever. Alors, comment qu'on s'habille? Il fait moche, hein. J'ai ouvert parce que bah il y avait besoin d'aérer un petit peu, mais il y avait à moitié de la grêle tout à l'heure. Je mettrais bien une petite veste. Là, ça fait too much. Hein. Pas.
Ouais. Je vois plus clair. Ça me semble pas trop mal, là. Alors, une pelle. Une pelle. Donc là, je vais enlever les tulipes. Et je vais les mettre ici. Voilà. Ensuite, le courrier. Le courrier, le courrier. Donc on a plein de spots de sol qui sont arrivés. Notre dernier transat. On peut peut-être les effacer, hein, celles-ci. Hein. Parce que là, on en a pas mal quand même. Yeah, mon chat. Et là, on a quand même une, on avait quand même une centaine de courriers dans notre boîte aux lettres. Ce serait bien de. En fait, la prochaine fois, faut que je le jette au fur et à mesure, hein, parce que là, ça devient long.
j'aime les chats. On fera le tri après, plus tard. Là, j'enlève que les le truc des programmes Miles Nook. Les chats. Parce que là, on était arrivé à plus d'une, enfin, à une centaine de courriers sur 300. Ça va vite, hein? Là, on en a plus que 60. On en a enlevé 40. Une quarantaine des courriers. Bon alors. Pas que j'oublie de garder une noix de coco. Ça pousse, ça pousse. C'est longtemps que j'attendais d'avoir la visite de Racine. On va profiter là. Alors, est-ce que j'ai des sous sur moi? J'ai 36 000. Alors là, c'est normal. D'ailleurs, je vais déposer. Je vais déposer les chevaux à ressort là. Oh là, il y a quelqu'un qui va pas bien là-bas. C'est Bob qui va pas bien. Donc on va mettre les animaux sur ressort ici. En attendant. Voilà. Qu'est-ce qu'il a, Bob? Tu as déterré un fossile. Bah oui. Bah oui, bah oui. Ah, il a perdu un truc. Pourquoi personne me comprend jamais? Bah, qu'est-ce qu'il a? Faut croire que je suis trop vieille école. Bah. J'ai essayé d'être sympa avec Marilou, mais je crois qu'elle me trouve enquiquinant. C'est pas un sentiment agréable, laisse-moi te le dire. T'en fais pas pour ça. Merci gamine, je vais essayer de faire ça. Il est possible que des fois je m'emporte un peu en voulant donner des conseils aux gens. Alors, je vais récupérer les sous que j'ai à me faire avant d'aller voir Racine.
Dis-moi cette partie-là. Donc je récupère une noix de coco également. Si je peux en récupérer une aujourd'hui. Encore une journée qu'on passe au paradis connu sous le nom du terrier. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de noix de coco. Hein. Peut-être plus haut. Alors, il paraît que t'as jarté Bob. Hola gaufrette. Mumuzo, par une journée comme celle-ci, j'ai qu'une seule envie, faire du jogging. Oh, d'accord. Donc je vais avoir encore moins de sous. Pas lui. Il est trop près de l'eau. Pourtant. Pourtant non. Bizarre. Oh, ma pelle. Heureusement que j'en ai pris une deuxième. Je sens qu'au pire des cas... Si les arbres ne poussent pas, je les échange là avec des arbres qui sont déjà
déjà plantées depuis un moment et qui ont déjà poussé. Et puis comme ça, on verra si je peux les mettre ou pas. Genre là, je vais profiter d'avoir des oranges et puis les deux arbres qui sont là-haut, je vais les échanger avec des arbres déjà poussés. Et l'arbre là qui a du mal à pousser, je vais l'échanger aussi. Je vais faire ça. Tant qu'ils sont... Tant que lui il est un peu petit, qu'il n'y a pas besoin... Ah. Par exemple, on va déplanter celui-là. Voilà. Je pense que le plus sûr, ça va être de mettre un comme ça. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est qu'il peut pas être planté là. Et bah, c'est pas grave, on va le planter ici.
Mais... Voilà. Donc là, c'est bon. Et mais il m'en manque deux, c'est ça. Enfin, il m'en manque un. Il manque une bouture d'arbre. Voilà, ce coin-là, il est fait, et donc il me manque une pour mettre là, une bouture pour mettre là. Il me manque deux boutures, en fait. Alors, on va aller chercher les mauvaises herbes aussi pour ramener à racine. J'espère sincèrement qu'elle aura des rosiers. On va déjà vendre les fruits que j'ai déjà. Et je vais regarder le prix des boutures chez Nook. Chez les raccoons. Donc faut que j'arrête de manger ça là. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à la boutique Nook, c'est un plaisir. Oh! Alors là, c'est pour faire de la peinture et là, c'est un panini avec des frites, c'est ça? Sandwich menu sandwich végétarien. D'accord. Non, non, j'achète de rien. Il y a racine. Oh là, par contre, ça... Wouh ! Table restaurant chinois. 73 000 ! Vache. Un mannequin pour s'entraîner sur les... Alors, elles sont à combien les pousses ici? Oh, un parapluie panda. 640. Je vais vous vendre des trucs, les raccoons. Thank you.
Qu'est-ce que tu veux vendre? Oui, quoi donc? Alors... Je vais voir si elle prend les boutures racines. Si elle... Mais je crois pas. Alors... 21 105 clochettes. Allez. Maintenant, on va aller voir Racine. Merci beaucoup, beaucoup. De rien, les raccoons. Alors, Racine. Bonjour, c'est le jour idéal pour acheter des pousses ou des graines, pas vrai? Faut aussi que je te dise, c'est la saison de ma préférée, l'azalée. Ne perds pas de temps pour en planter en cette saison. C'est en cette saison qu'elle se sent le mieux. Si je peux faire quoi que ce soit, n'hésite pas. Alors déjà, je vais te donner toutes mes herbes. Tu as hâte de la mauvaise herbe? Je suis preneur, 20 clochettes la touffe. J'en ai plein. Si j'ai bien compté, tu as 469 touffes. Si j'en pose une et j'en retiens deux. Oh pardon, ça nous fait un total de 9380 clochettes. Du coup, tu vends ta mauvaise herbe? Vas-y. Tu fais un heureux, qu'est-ce qu'il te faut? Est-ce qu'il faut autre chose pour te faire plaisir? Vas-y, montre-moi ce que tu as. Laisse-moi te présenter les graines et les pousses des plantes que j'ai apportées. Alors, des carottes, j'en ai déjà. Je sais pas combien d'azalées j'ai chez moi. Mais je veux que des blanches. Deux petites secondes, Racine. Alors là, il me faudrait deux azalées roses, mais j'en ai déjà. Et il me manque 4 azalées blanches. Bonjour, c'est le jour idéal pour acheter des pousses ou des graines, pas vrai? Tu te répètes. Donc 4 azalées blanches qu'il me faut. Je le vends aussi en lot. Combien tu en veux? Bah... Bah non, j'en veux que 4. Il a pas de camélia aujourd'hui, par contre. Il a pas de camélia et ça, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant pour moi. Que ça va m'empêcher de faire certaines choses. Ah, des roses! Par contre, il a pas de roses rouges. Ah, si. Merde. Quelle
Le ballon qui passe au premier plan. Donc là normalement j'en ai 10 de chaque sauf les jaunes que j'en ai que 5. Je suis en train de me poser la question de ce que je vais mettre parce que j'aurais préféré des camélias ou alors je récupère les camélias. Moins de 8. Je crois que je me gourre pas dans mes pompes. Je reviendrai après si besoin. Mais je crois que c'est bon. Alors. Mettons-nous au travail. Déjà, je vais récupérer les camélias. Qui sont au bord des maisons. On va faire autrement. Et je vais mettre des... Je vais garder mes pouces pour le moment. Ça, c'est des camélias. Normalement, c'est que des camélias roses. Ouais, c'est ça. Là, il n'y en a pas. Des sous. Faut que j'aille récupérer mes clôtures aussi. Moi, je serais partante pour aller chercher d'abord le kit de déménagement. Mais c'est formidable ça, spot de sol. Donc j'en aurais plus que 4 à acheter, peut-être. Je vais regarder. De toute façon là, je vais acheter plutôt les lampes de jardin aujourd'hui. Puisqu'on finalisera les parcs plus tard. Parlons infrastructure.
Alors, il me faut une rampe. Je t'en prie, fais ton choix parmi les modèles proposés dans notre catalogue. Un escalier en briques. Tu es sûr de toi, tu arrêtes ton choix sur cette rampe-là? Absolument. Dans ce cas, nous devons maintenant choisir un endroit. Pour cela, utilise le kit emplacement que j'ai glissé dans tes poches afin de délimiter le chantier. Pense à ménager assez d'espace quand tu l'utiliseras et aussi à le placer au pied du près de la falaise. Quand tu seras prête, laisse faire ton imagination et tu pourras visualiser le résultat. Attends, je veux déménager quelqu'un aussi. Attends. Déplacer un bâtiment. Donc on va déplacer un résident. On n'en a plus que deux à déplacer. On a Bob à déplacer et on a Biff. Mais on va déplacer Bob. Dans un premier temps. Message reçu, oui. Il nous en coûtera la dérisoire somme de 10 000 pesettes. Alors on prévient Bob. Allons-y. Plus qu'à demander son avis à Bob, je le contacte sur le champ. Et je crois qu'on a fait le tour du sujet. Alors Bob, veux-tu déménager là où le suggère Sarah? Mais bien sûr que oui. Pouvoir avoir une nouvelle vue depuis ma fenêtre, ça se refuse pas. Parfait, puisque tout le monde est d'accord, Sarah et moi, nous allons nous mettre à l'ouvrage. Eh ben, si tout le monde est d'accord pour déménager, ça c'est parfait. Bien Sarah, maintenant que ces menus détails sont réglés, je vais procéder à l'encaissement. Ensuite, tu devras délimiter le chantier où sera déplacée la maison de Bob. Tu trouveras à cet effet un kit déménagement dans tes poches. Place-le à ta guide. Ok, donc ça c'est bon. On fera les commandes après. Je vais aller chercher les clôtures. Et il ne restera plus que la maison de Biff à déménager. On va pouvoir s'attaquer au parc. Après, c'est pour ça que les spots, on va attendre un petit peu avant. Avant d'en commander. On va d'abord faire le tour de l'île. Alors, est-ce qu'il m'en restait? Là. Il m'en restait 22. Et j'avais un truc de kéké normalement qui est arrivé. Cyber kéké. Ouvrir. Entreposer. J'ai eu un éclair de génie au cours d'une ivresse du coureur. J'ai eu l'idée d'un bricolage épatant. J'ai envisagé d'en garder le secret, mais je te fais confiance. Chute, et nous voilà potes de bricolage. Scooter, le bricoleur musclé. Lipoire. C'est intéressant. Ah, oh, j'ai hâte de vous montrer ce que ça donne. Alors, je vais planter des rosiers ici, du coup. Là, je vais déplanter ça. Mais il faudrait que je vois s'il y a d'autres camélias. Normalement, je devrais avoir le coup. Attendez, parce que
Là, ce sont des azalées. Ouais. Désolée, il y a eu un coup de klaxon. Je sais pas si vous l'avez entendu. Je m'excuse. Les gens sont fous. Je suis en train d'hésiter. Ah, pourquoi pas? Pas que j'oublie que j'ai mes pousses d'arbres aussi à acheter. Hein. Je vais aller les chercher de suite. Je suis en train de me poser des questions. De mémoire, faut que j'en achète deux. De toute façon, la vidéo est pas finie. Hein. Je vous rassure. Thank you.
Alors. Buisson de calendrier rouge. J'allais dire, j'ai encore de la place ou pas? Pas beaucoup. J'espère que ça le permet, ça, il pourra pousser quand même tranquillou. Non. Ça me semble pas mal. Imaginons. La clôture a l'air toujours en place, les pensées aussi. C'est parfait. Tu as choisi un nouvel emplacement pour le foyer de Bob, espérons que l'endroit lui plaira. Bah, c'est au bord de la rivière, ça devrait aller. Alors, donc là, ce que je veux faire... je vais pas avoir la place. On va voir. Je veux déplanter ce qu'il y a ici. Parce que je veux savoir ce que c'est. Donc là, il y en a deux. Là, il y en a quatre. Et j'ai juste la place. C'est chaud, hein? Et j'en étais sûre. Dans l'eau, on a des hibiscus jaunes et des hibiscus rouges. J'aurais bien aimé juste une seule sorte. Je peux pas faire des boutures avec les hibiscus. Mais c'est bizarre que j'en ai pas plus, j'ai dû les acheter par 5. Que j'ai déplanté. Il m'en manquait bien un d'arbre. Attendez, j'ai loupé une histoire. J'ai loupé un truc là. Là, tous les arbres sont là. Là, je viens d'en replanter. Là, il est replanté. Là-haut, les deux arbres sont. Ça va être un mystère, ça encore. Excuse-moi, Laurie, j'arrive, je vais te dire bonjour. Thank you.
Là, c'est bon. Je sais pas pourquoi j'ai acheté deux arbres. Alors là. On va la mettre là, en attendant. Et on va essayer de l'entourer le plus possible pour pas qu'elle pousse de trop. Voilà. Juste histoire de la récupérer plus tard. Bon, ça ne me dit pas ce qu'elles sont devenues, mais... Ça me dit pas ce que sont devenues mes plantes. Ah, mais il y en a là encore. Ah mais oui. Alors, on va être emmerdé. La clôture, j'en ai plus besoin. Porte-casserole. Comment ça se fait que le gaz est allumé? Attendez, c'est une blague. Pourquoi le gaz est allumé? D'accord. Non, c'est pas ça que je veux. C'est là. Je peux peut-être me débarrasser de mon réverbère aussi. Alors là, il y a deux réverbères. Pas sûr. Pardon. Okay. Donc là, ça fait déjà deux réverbères en moins. Stand de barbe à papa, c'est de l'autre côté.
Oh la tuile. J'ai 5 hibiscus rouges et 3 hibiscus jaunes. Alors que j'aimerais avoir... J'aimerais avoir 6 hibiscus rouges, quoi. La tuile. Et là, j'hésite. Là, j'hésite. Je vais mettre des... Ah bah je vais... Je suis bête. Donc faut que j'aille rechercher une pousse d'azalée blanche. Marie. Et t'as une minute, j'ai une mimique à t'enseigner. On m'a raconté une histoire horrible hier. C'est la chose la plus triste que j'ai jamais entendue. Mais non, ne t'inquiète pas, je voulais juste te montrer la mimique des primes. En espérant que tu n'auras jamais à utiliser, bien sûr. Tu as appris à exprimer la déprime. Sarah, je t'ai déjà dit que tu ressemblais à une anémone sous un ciel d'été. À la réflexion, je me demande si tu serais pas plutôt une pensée. Bref, tu es une de mes meilleures clientes et pour te remercier, je t'offre un plan de clôture et... D'accord. Ce sera un honneur si tu es décidé de l'utiliser pour embellir ton jardin. Attendez, quoi? Ah oui, ça aurait pu être bien... Effectivement, ça aurait pu être bien au niveau de ma clôture. Oh là. Je suis accrochée. Bah, trop tard, Racine, désolée. Alors, il me faut une azalée blanche. Il me faut une azalée blanche. Oh, mais elle en a des hibiscus. Oh, mais tout va bien. Je me tracasse depuis tout à l'heure pour rien en fait. Bah oui, du coup je veux une pousse d'hibiscus rouge. Bah pour le moment non. Je reviens juste après. Je pense que je vais déjà planter ce que j'ai à planter là.
tout dans ce jeu. Voilà, donc ça c'est bon. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, là, j'ai des camélias rouges aussi. Hein. Ça c'est des azalées blanches. Je vais les garder. Je vais peut-être en mettre devant les comment ? Les boutiques. Après la question c'est est-ce que je mets ? Je pense que je vais plutôt mettre des hibiscus jaunes devant les boutiques. Je vais en racheter après. D'abord, je m'occupe de ce que je peux m'occuper. Ah, pardon. Elle est pénible cette meuf. Je vais avoir besoin de racheter des fleurs de toute façon. J'ai mal calculé mon. Alors. Merde. Non, on va pas l'enterrer, non. On va pas enterrer le stand de Barba Papa. J'ai pris des plants de roses jaunes, mais je sais pas si je vais les utiliser. Je suis un peu moins fan des fleurs. Enfin, les. Pas que je suis moins fan des fleurs jaunes. Enfin, je suis moins fan du jaune en règle générale. Ça dépend sur quelle fleur, quoi. Et les roses jaunes. Bah les roses jaunes, voilà. Là c'est bon. Là c'est bon. Et là c'est bon. Donc là les trois terrains c'est bon. Ensuite. La suite.
je vais en avoir de trop, mais c'est pas grave. Par contre, c'est des roses blanches que je vais devoir acheter. Donc je vais devoir acheter des roses blanches. Je vais racheter 5 roses rouges et 10 roses blanches. Au cas où. J'aurais aimé d'autres légumes racines, vraiment. Carottes, je les ai déjà. Alors, je vais prendre 5 roses rouges. Je préfère avoir des sacs un peu en rabe au cas où je change d'avis. Et je vais prendre 2 sacs de 5. Et je vais prendre... Alors là, j'ai déjà 3 hibiscus jaunes. Donc, il y en a déjà pour le musée, par exemple. Donc, il m'en faut 3 pour la boutique... 2 pour la boutique Nook, 2 pour la boutique des doigts de fée. Il m'en faudra 2 pour le café, 2 pour le resto. Je vais en prendre une quinzaine. Merde. Je vais en prendre une quinzaine quand même. Parce que voilà. Je vais prendre une quinzaine d'hibiscus jaunes. Mais il y a moyen que je change d'avis et que je mette des hibiscus rouges. Hein. Donc je vais prendre une quinzaine de jaunes, une quinzaine de rouges. En même temps, là, du coup, ça me fait 16 plans. Donc, mine de rien, c'est bien parce que c'est par deux, normalement. Donc, je vais faire ça. Je vais en prendre 16. Et là, donc, je vais en prendre juste un, comme ça, bah, ça m'en fera une, ça m'en fera 16. Je vais les... En fait, là, je vais me planter les hibiscus jaunes. Je pense que c'est pendant l'été
Je pense que c'est pendant l'été que ça... Par exemple, là, ça serait bien. Vous voyez? Juste devant la vitrine. Comme ça. Par contre là, je pense pas que je puisse. Mais voyez, enfin planter des petits buissons comme ça en face. Là, en planter un ici. Et un ici. Mes camélias. Ah mais je sais ce que je vais en faire des camélias. Je vais éviter de les perdre les camélias. Alors peut-être pas deux du coup pour laisser la place. Mais pourquoi pas? Après j'ai une autre solution. Ouais, c'est pas mal comme ça. Comme ça, je perds pas mes camélias.
Je rangerai les hibiscus en attendant. Je vais ranger les hibiscus en attendant. De toute façon, je vais pas les planter maintenant puisqu'il faut que j'attende d'avoir fini de mettre tout comme il faut. Là, je pourrais même en mettre 4. Quoique non, faut que j'accède à ça. Donc il faudrait que j'en mette un ici. Je peux pas le lire autrement. Baquet à lessive. Présentant à skate pas. Bah là, je vais les mettre dans les coins, du coup, pour la boutique Nook. Je verrai en fonction de comment ça se place au niveau de la boutique. On va, en fait, on va planter des hibiscus, on va planter des hibiscus jaunes en attendant. Et si jamais je vois que la couleur me va pas et que je préfère vraiment les rouges, et ben je mettrai des hibiscus rouges. Mais en attendant, eux, je les range. Ceux que j'ai en poche, je les range. Hop, allez. Donc ça, je range. Ça, je range. Ah, il est 18h. Les azalées. Ah non, j'en ai besoin, les azalées. Truc posé. Stand, on va le placer. Le banc de parc, c'est le mien. Faut que je le replace. Faut que je termine avant 19h. Portant. D'accord, entreposé. Spot de sol. Parce que là, j'en ai 4 spots de sol. Je vais regarder. Ça, c'est mes roses blanches, ok. Et ça, c'est mes roses jaunes, je vais les entreposer. Ou alors, il faudrait que je fasse juste une petite pause. Juste avant, enfin dans une demi-heure. Et je peux revenir encore un tout petit peu avant le live. Ok. Est-ce que j'ai rentré la voiture, mais il faut que je ressorte. Tout va bien. Ah, puis on a les achats à faire aussi. Alors. Ah, je les avais pas mis. Donc il m'en manquera bien 4 des spots. Je vais les mettre en attendant. C'est juste en attendant. Voilà. Donc le spot de sol, c'est sûrement celui que j'avais dû enlever à cause du pont. Allons déposer le transat qui manque et on va faire le tour des maisons. On va faire le tour. Là, c'est bon. Donc là, je pose le dernier transat. Ah,
Voilà. Ok. Et donc là, on va mettre le stand de Barba Papa. Ça roule. C'est trop drôle. Y a pas de noix de coco là? J'ai besoin d'une malheureuse noix de coco. Toujours pas de mouche, hein. Alors j'avais dit que je voulais, plutôt que de vendre la noix de coco, je vais déplanter un des arbres pour être sûr que ça qu'il aille bien, l'arbre aille bien là où je veux le mettre. Et je vais planter une noix de coco à la place. Parce que là, je sais qu'un arbre peut se mettre. Il n'y a pas de souci. Donc, je peux planter ma noix de coco sans problème. Et elle poussera, elle fera un cocotier sans souci. Alors, ensuite. Donc, cette maison-là, j'ai pas fait encore les plans. Rose blanche. Rose rouge. Rose blanche. Azalée rose. Donc ça c'est bon. Ensuite. Les pommiers. Ils vont donner des fruits. Putain, mais qu'elle est chiante. Il n'y en a pas d'autres? Non. Il y a Laurie qui pêche. Une pomme tombée, pourtant. Elle est passée dans le décor. Donc là, les pommiers, j'ai tout récupéré. Les cocotiers aussi. Là, les plants sont faits. Il y a les deux arbres. Il y a les... Ah ben, il n'y a qu'un seul cèdre sur ce... Ah bon? J'avais mis un seul cèdre? Ah ben, peut-être. Mmh.
mais on va en mettre un quand même. Il n'y a pas de raison. Tant pis, le chemin sera plus serré, mais c'est pas grave. Je suis un peu bécasse. Parce que je sais qu'il y a un cocotier qui va sauter. Et j'aurais pu déplanter ce cocotier là, quoi. Ouais. Je vais faire ça maintenant. Plutôt que d'attendre. Bon, je vais manger une pomme. Plutôt que d'en planter un et puis d'attendre. Mais ça se trouve, je peux même pas mettre... Attendez, ça se trouve, je peux même pas mettre les escaliers ici. Hein. C'est auprès du bord de la plage. Ben voilà, comme ça c'est fait. Donc bah, je replante mon cocotier, c'est pas grave. C'est bête, j'aurais voulu des escaliers ici. Tant pis. Bon bah je perds pas de cocotier du coup. Ouais, tant pis. Salut Laurie. Bon, la canne à pêche, Diva, pêche-moi des poissons, j'attends. Elle est vénère. Ok. Donc, on a dit, les pommiers, c'est bon, il me faut un cèdre. Il me faut un cèdre. Ah, mais attendez. Attendez, je crois que le feuillu, en fait, je sais où il faut que je le plante. Bah c'est pas grave, hein, y aura qu'un seul accès au camping. J'aurais voulu qu'ils aient accès directement au comment Merde, je me souviens plus ce que je voulais dire. À la plage. Oh, j'en ai besoin que d'un, merci. Parce qu'en fait... Ah, mais non. C'est les trucs de... Attendez, je sais plus. Je sais plus ce qu'on a décidé pour la maison. Non, c'est pas un arbre qu'on va mettre là. C'est une lumière. Donc, c'est moi qui lugote. Alors, on reprend. Coucou Marilou. On reprend. La plage, on a dit que c'était bon. Là, ce terrain-là, il manque plus que le cèdre et il faut attendre que ça pousse. Donc, on va déplanter le cèdre qui est là, puisqu'on sait qu'il peut être là. On sait qu'il peut être installé ici, le cèdre. On va installer la pousse ici. Et donc, il me faudrait un cèdre juste ici. Ça va, c'est en bordure. Il y a juste ça, il y a juste le cèdre à contourner. Voilà. Quand je vous le dis qu'on replante des arbres. Donc là c'est bon. Là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Il
Non, on pourrait mettre un autre arbre aussi, mais en même temps, c'est l'endroit pour que je puisse rentrer chez moi avec la perche si besoin. Donc ça, c'est bon. Ce côté-là, c'est bon. Ce côté-là, tout ça, c'est bon. Ensuite, là, on a planté nos feuillus. On a planté nos fleurs. On a un cèdre. Putain, mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Il m'en manque encore un. Bon, on est reparti. Les raccoons! Bon, je pense que je vais pas pouvoir prendre le temps de faire de la pêche ou quoi. Je vais prendre dans mes économies pour... Je vais prendre dans mes économies pour... comment... pour payer la rampe. Tant pis. Non, je veux... Non, c'est bon, j'en ai plus besoin d'autre. C'est bon. Ça ira. J'ai vraiment hâte que la boutique elle soit à sa place, par contre. Donc là... Voilà. Donc là, c'est bon. Ce terrain-là, il n'y aura plus que la maison de Biff à mettre. Et on sera bon. Le parc. Là, il faudra détruire le pont. Le parc, c'est bon aussi. Par contre... Et en plus de ça, ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas les déplacer. Voilà, je pense que c'est un peu mieux. Donc là, le parc, il est bon. Et il y a les réverbères au niveau du pont. Ok. Check. Là, on est bon aussi. On a un feuillet qui démarre. On a l'orangerie qui est là. Le joli petit décor là-bas au fond. Voilà. Là, on a le camping. Le camping, le camping, le camping, le camping, le camping, le camping. Ça serait peut-être bien de mettre une petite lumière ici aussi. Petite lampe de jardin ou je ne sais quoi près du banc. Ça serait peut-être bien. Je vais rajouter une lampe de jardin à acheter.
Donc là, vraiment, je peux pas, on est d'accord. Vraiment. Ok, j'aurais tout essayé. Donc là, le camping, c'est pareil. C'est beau, c'est propre. C'est beau, c'est propre. Le cimetière, normalement, c'est pareil. Il est beau, il est propre. Il est beau, il est propre. Le champ de fleurs. Donc le champ de fleurs, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, je vais voir si je peux mettre une rampe ici. Mais je suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre étant donné qu'il y a le lac juste à côté. Ah, si, on peut. Mais ça me bouffe plein de fleurs, là, par contre. Ah, mais ici, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut qu'on mette des rampes un peu partout, parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Ah mais non, je te donnerai les sous après. Attends. Une autre fois. Ah d'accord, c'est entendu. Nous nous réjouissons à l'avance de votre future contribution. Attends, ma future contribution. Bon, il y a déjà pas mal de fleurs, non? C'est pas grave si ça on a enlevé quelques-unes. Bon, on continuera cette zone-là après. Je vais aller vérifier les fossiles. Tant que j'y suis. Donc là, il n'y a rien. Il y a un papillon là-bas. Là. Alors, on en a un ici. Ouais, je sais vraiment pas ce que je vais faire sur ces tout en haut. Tout ce qui est en haut là, les falaises avec les bambous et même ce qu'il y a juste en bas, là où on va là. Je sais pas du tout ce qu'on va faire en fait. Alors après, je sais qu'il faut que je me laisse de l'espace parce qu'il va y avoir des bâtiments et tout ça. Mais du coup, bah, c'est des toutes petites zones par contre. C'est des toutes petites zones. Alors, j'ai encore des oranges ici. J'aurais dû attendre un peu et puis bouffer les oranges plutôt que de bouffer deux pommes. Mais c'est pas grave. Oh, j'ai pas enlevé une seule clôture. Allez, donc. Oh, j'ai plein de pêches. Par contre, celui-là, il a du mal à pousser, j'ai l'impression. Celui...
celui qui est là, il a un peu de mal à pousser ou c'est moi? Bah alors Thibaut. Ça se trouve, je peux pas en planter un là. Hein. Je vais le planter un peu à l'écart en attendant. Je vais prendre celui-là. On attend de voir, s'il pousse. On sait que ça sera dans le coin du coup. On va le planter un peu à l'écart. En espérant qu'il ait un peu moins de mal à pousser. Mais je crois qu'il y a un poirier aussi qui est dans ce cas-là, qui a un peu du mal à pousser. Mais commence pas. Mais putain, j'ai dit qu'à 18h30, fallait que j'arrête. Et en attendant, on va, je sais pas, est-ce que j'ai un truc que je peux planter là? J'ai planté les tulipes roses. Ou des pensées, en attendant. Voilà, des pensées pour penser. Que c'est le péché qu'il faut mettre ici. On va refaire le tour des vergers, du coup. Après, parce que... On passe pas à côté d'un arbre fruitier qui a un peu de mal. Bah en attendant, je vais faire une micro-pause. Vous allez voir, avec la magie du montage, vous verrez rien. Bref, à tout de suite. Re les pinous. Ça a été un peu plus long que prévu. J'en ai profité pour mettre mon pull parce que j'ai un peu froid. J'ai laissé ouvert encore un petit peu. Ça fait du bien d'aérer, mais il fait un peu froid. Donc j'en ai profité pour aller chercher mon hoodie. Et la nuit est tombée. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je sais même plus où c'est que j'en étais. Je vais refaire un tour de l'île. Tant pis. Enfin si, j'avais décalé le pêcher pour voir pour qu'il pousse un peu plus vite. Enfin, pour qu'il pousse un peu. J'ai tous les fossiles. Je voulais refaire un point au niveau des vergers. Voir si tous les arbres allaient bien finalement. Il faut que je fasse expertiser les fossiles.
Et il faut que j'aille récupérer de l'argent. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, des cerises. Faut que j'aille récupérer de l'argent pour payer la rampe. Donc au niveau des cerisiers, tout baigne. Mais il faut que j'achète les trucs aussi. Faut que j'achète, j'ai ma liste de courses, faut que j'achète tout ce que j'ai besoin. Alors, il y aura besoin plus que de 3 rampes, a priori. Je crois. Ça va, Laurie? S'éclate. Je sais pas pourquoi j'étais sûre qu'on allait se revoir aujourd'hui. Tu racontes quoi? Vie sur cette île est le pif ultime. Sérieux, je suis comme la reine des abeilles, mais parfois je m'ennuie. J'ai bien pensé à choisir un nouveau hobby. Un truc qui claque trop, comme faire de l'aérobic. Mais imagine que je gère tellement qu'on me demande de passer pro et que ça chamboule toute ma vie. Est-ce que je suis seulement prête pour ça, mon glaçon? Elle est trop mignonne. Ok. Alors, est-ce qu'au niveau des pommiers, on est bon? On a l'air d'être bon. Et je crois que c'est au niveau des poiriers que j'ai vu qu'il y en avait un qui avait du mal à pousser. Ah, ils sont déjà pas mal balèzes. Non, à mon avis, c'est qu'il leur faut un petit peu de temps. Alors, j'ai déplacé Bob, j'ai mis la rampe pour le prochain escalier. Donc là, c'est bon. Je veux juste vérifier que c'est bien 3 rampes qui me manquent. Donc là, on a une première rampe qui va être mise. Donc est-ce qu'il m'en manque réellement que 3? Puis on dégagera des trucs hein, pour les futurs bâtiments. Donc il y en a une ici que je veux. En fait, il en faut que 2. Pourquoi j'ai indiqué qu'il en fallait 3? Ah, parce que... Donc, il y en a plus de 1 que 2. Parce que... Parce qu'au niveau du camping, on peut pas en mettre une. Donc, du coup, bah... Il y a plus que 2 rampes à mettre. Donc, bah, c'est pas mal. Je fais des économies. Je fais une économie de 198 000. Ça va. Hein. Donc, on va aller faire expertiser les fossiles. Éventuellement récupérer des sous. Alors. Bonsoir Sarah. Bienvenue dans le musée du terrier. En quoi puis-je t'être utile? Expertiser des fossiles. Que puis-je expertiser pour toi? J'ai les ailes qui frémissent. Rien que cela? Intéressant, voyons voir. Remarquable, splendide même. Hélas, notre musée dispose déjà d'exemplaires de ces fossiles. Je pourrais te les acheter pour ma collection personnelle. La chose est tentante, assurément. Faut encore... Oh, pardon, j'ai coupé avant. Faut encore que je me mouche. Terrible. Mais nulle tentation ne saurait ébranler mon inner adorable. J'en ai marre de ce nez qui pique. Ça pique le nez. Très encombré ce soir. Même plus que par rapport à tout à l'heure. Bon, du coup, tu veux rien. Ah.
Bon, alors allons vendre tout ça. J'en peux plus. Bon alors. Je suis très très encombrée ce soir. C'est un truc de dingue. Pourtant, je suis allée prendre l'air et tout. Ça aurait dû me faire du bien. Mais en même temps, je suis allergique, hein. C'est le pollen et tout. C'est vraiment pas ma saison. Ah oui, on a un cocotier à planter aussi. Soixante clochettes. Marché conclu. Ça passe quand tu veux. Oui, bah oui, quand j'aurai les sous. Hein. Quand j'en aurai pas marre, quand j'en aurai marre de déplacer des meubles, des bâtiments et tout ça. Ok. Oh, bah, qu'est-ce que tu fais dans mon jardin, toi? Comment vas-tu depuis tout à l'heure, Mumuzo? Et si on discutait? Pour prendre de la hauteur, il suffit de gravir une falaise. Ça tombe bien, quelqu'un en a justement aménagé une pour que ce soit plus facile. Quoi? Une rampe, tu veux dire? Je m'excuse, hein, du coup, il y a du bruit dehors. Donc ça, je range. C'est jamais si un jour ça peut m'être utile. À la bonne heure. Il voulait pas sortir cet éternuement, c'était chiant. Et en fait, ça aide. D'éternuer, ça aide à dégager un peu. Voilà. Faut que je remette mon arrosoir aussi. Voilà. J'aurais peut-être même pu le mettre un peu plus en bas. Mais pour mettre un peu plus au niveau de la balancelle, mais bon. C'est très bien là. Fais ces exercices, Marie. Bon, ma foi, on a bien bossé aujourd'hui. Il faut que j'aille faire donc les achats et que j'aille il faudra vraiment que je regarde au niveau des bancs, mais ça on fera tout ça après, plus tard, les parcs et tout, on les finira plus tard, parce qu'il faut qu'on bouge la maison de Biff aussi au passage.
Et puis qu'on déplace aussi le magasin, tout ça. Donc, ça se trouve, il y aura un bâtiment qui se mettra là, à la place du parc. Hein. On n'est pas à l'abri. Hein. Et au pire, on fera un grand parc en bas, là, au niveau de la plage. Ça sera très bien. On verra. Je sais pas combien il y a de bâtiments dans ce jeu. Bienvenue dans le Nook Stop. Alors, 300 miles de bonus. Alors, normalement, je n'ai plus besoin de dépenser de miles. Normalement. Je vais regarder ce qu'il y a, mais... Boîte à dons. Je devrais mettre ça à l'entrée. Ça pourrait être drôle d'en mettre, mais juste en déco, mais... Je pourrais mettre des éoliennes. Moi, à mon avis, c'est bon. Tapis en soie. Ah oui! C'est les... Ça, c'est ce qu'il y a dans un des packs gratuits pour les gens qui ont le Nintendo Online Plus. J'ai pu télécharger des objets, mais je sais plus, il y avait ça. Il y avait le tapis en soie, c'est sûr. Mais je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Il y avait d'autres objets, mais je sais plus quoi. Alors, articles spéciaux, lanterne, switch light, VTT. Milonga Keke. Donc ça. Et donc, je vais acheter des lampes de jardin parce que les spots, j'ai pas fait le point. Mais les spots, on les achètera quand on fera les parcs. Donc là, on cherche des lampes de jardin. Et il m'en faut une dizaine. Donc là, on va en prendre... Je crois que c'est 5. Non, 4. Du coup. Puisque je peux en prendre que... Je peux prendre que 5... Voilà, c'est ça. Donc là, j'ai plus... Pourquoi j'ai mis 11? Ah oui, si. Donc 11 moins 4. Hop. Voilà. Je mets ma liste de courses à jour. Merci de ta fidélité. Tu as déjà passé 100 commandes auprès de notre service Nook Shopping. Pour célébrer cette occasion, nous avons le plaisir de t'offrir l'application Nook Shopping. Cette appli te permettra de faire tes achats où et quand tu le souhaites. Ah, super! Maintiens le Nook Phone devant le terminal afin de recevoir les données d'installation de l'application. Ah, ça, c'est plutôt cool. L'application a été installée. Nous espérons que tu continueras à apprécier le service Nook Shopping. Ça, c'est plutôt cool. L'appli Nook Shopping est installée sur ton Nook Phone. Tu peux faire tes achats où et quand tu le souhaites. Grâce à cette appli, Nook Shopping est maintenant accessible n'importe où et n'importe quand. Fais tes courses à ton rythme et laisse-toi porter par tes envies du moment. Ok. Bon, parfait. Bon, c'est bien parce que ça me permet... Enfin, j'ai quand même des miles qui rentrent. Forestation. Pour subvenir à nos besoins en ressources tout en conservant la viabilité écologique de l'île, il nous faut des arbres, beaucoup d'arbres. Plus tu en planteras, plus tu obtiendras de miles. Ah.
Bah, le souci, c'est que là, je vais pas en replanter beaucoup, en fait. Tu as appris une mimique. Quel meilleur moyen de fêter ça qu'en t'offrant des miles Nook? Les mimiques t'aident à t'exprimer. Je ne peux donc que t'encourager à les apprendre. Bah là, je sais qu'il y a un pack à vendre. Ça se trouve, il y en a 5 dedans. Ça ferait déjà 35. Ce n'est pas parce qu'on vit sur une île qu'il faut se priver des petits plaisirs de la vie. N'hésite pas à utiliser Nook Shopping. En plus, cela te rapportera des miles. Ah, je suis à 104 produits commandés. Ok. Bon. Mais par contre, là, bah, j'ai pas. Là, j'ai plus le temps. Il est déjà presque 19h30. Donc, du coup, je vais prendre les sous dont j'ai besoin. Oh la vache. Mais mon épargne a fondu comme neige au soleil. Pour la prochaine rampe, j'ai pas les moyens. Demain, j'aurai peut-être un peu plus le temps de jouer. Peut-être. Sûrement. Sûrement, sûrement. Donc j'essaierai de cartonner demain. Parce que là vraiment il va me falloir des sous. Il n'y a plus que deux rampes hein, ceci dit. Faut que je tienne le coup. Hein. J'ai plus que deux rampes et en vrai j'ai encore une bonne semaine. Où je peux encore jouer à Animal Crossing. Puis pendant le Watt, peut-être que je vais y jouer encore un peu aussi. Ça se trouve. Enfin, à l'allure où je vais, à mon avis, on aura commencé le Watt, que j'aurai pas besoin de jouer à Animal Crossing. Bonsoir, bonsoir l'ami. En ce moment, nous collectons des fonds pour bâtir un escalier en briques. Notre objectif est de collecter 198 000 clochettes. Pour l'instant, nous en sommes à 0 clochette. Il nous reste donc à trouver 198 000 clochettes. Je t'entends mal avec la cascade! Toute aide est la bienvenue, alors n'hésitez pas à donner ne serait-ce qu'une clochette. Merde. Eh bien, nous nous réjouissons à l'avance de votre future contribution. Non, mais non, mais... Parfait, la campagne de dons de pour notre projet a abouti. Ok. Alors, on gagnera. Alors, soit. Donc, j'ai deux rampes à faire. En sachant que là, je sais même pas si on va pouvoir la faire, la rampe ici. Je sais pas. Ou alors, faudra la mettre là. Je vais perdre deux trucs de bambou. On va voir. Mais en tout cas, voilà, il reste deux rampes. Au pire des cas, ce qu'il faudra faire, c'est que une fois sur deux, je paierai pas forcément le jour même que je la pose, la rampe. Et plutôt que de payer directement, bah, je ne paierai pas directement. Et je paierai le lendemain, on verra. On ralentit le rythme, là. De toute façon, ça va, il reste deux rampes à poser. Là, réellement, j'ai deux lampes à poser. J'ai Bob, on l'a déménagé.
J'ai deux lampes à poser, j'ai encore trois déménagements à faire, donc bif qu'on va mettre à côté de chez Mireille. Une fois que Biff sera à côté de chez Mireille, on pourra commencer à faire les parcs. Donc moi, à mon avis, il me manque que 4 spots, effectivement. Et on fera nos petits parcs. On aura... Enfin, on fera nos petits parcs. On les fera après avoir déplacé les magasins, de toute façon. Il me manquera mes 7 lampes de jardin, une pour le camping et puis les autres pour chez moi. Et puis voilà. Mais ça commence à ressembler à quelque chose. Hein. Non, vraiment, je suis contente de ce que c'est devenu. Mais là, il est 19h30. Pas sûr que ça vaille vraiment trop le coup que je me lance dans quelque chose. Parce que normalement j'ai mon live à 20h. Oh, vivement que la mouche elle vienne. Que je puisse enlever toute cette poubelle là. Non, on est pas mal, vraiment. Des gens que j'ai pas vu encore. Laurie, je l'ai vu. Marie-Lou, je l'ai vu. Mireille, je l'ai pas vu. Mireille qui manque un donut. Popo, bienvenue chez moi. Oh coucou, alors comme ça tu as récolté une tonne de légumes hier, tu comptes les cuisiner? Je trouve que cuisiner est un excellent passe-temps, surtout si on est seul. Pour se vider l'esprit, il n'y a rien de tel. Bah j'aimerais bien les cuisiner, mais je crois que j'ai pas le matos qu'il faut. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est ranger la maison la prochaine fois. Parce que là vraiment, bon bah on a fait toutes nos plantations, ça y est, heureusement Racine est passée aujourd'hui. Alors, qui c'est qu'on n'a pas vu d'autre? Nora, je sais pas si on l'a vu. Ça coûte rien d'aller la voir. Elle mange un donut aussi. Ça roulotte, Sarah? C'est sympa de me rendre visite, Gollerie. On m'a dit un truc à ton sujet, mais je me demande si on m'a pas raconté des cracks. On t'aurait demandé c'est quoi la musique que t'aimes le plus, et t'aurais répondu classique. C'est vrai ce mensonge? Ça c'est un truc que j'ai dit à Mathéo. C'est la vérité vraie. J'aimais bien ça aussi, puis je suis passée à autre chose. Mais rien que d'en parler, ça me rappelle des souvenirs. Salut Nora. Alors, on a croisé Léo tout à l'heure. Bon, Bob, on l'a vu. Hein. Et on l'a assez vu, d'ailleurs. C'est qui, ça? Je me souviens. Ah oui, c'est la petite oursonne. Comment c'est? Laura, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis très touchée que tu me rendes visite. Oh là là! Ah, ça fait du bien de pouvoir se relaxer chez soi de temps à autre. C'est très coloré chez elle. Mathéo, on l'a croisé. Mais je vais aller lui redire bonjour.
avant de partir. Je vais lui redire coucou avant de partir. Oh, il bricole. Coucou. Bonjour, tu es venu assister à la nouvelle édition du grand spectacle Mathéo Circus? Tu fais quoi? Excellente question, sous tes yeux ébahis, je suis en train de fabriquer un lot de piquetrons. L'inspiration m'est venue d'un rêve fiévreux dont j'étais le valeureux héros l'autre nuit. Oh, tu sais peut-être déjà faire un lot de piquetrons? Bien sûr. Comme quoi les grands esprits se rencontrent, halte à pli. Cela dit, ça me ferait mal au cœur de que ce plan de bricolage prenne la poussière. Tu n'as qu'à le prendre, tu trouveras bien un ami qui en voudra. Après tout, qui n'a jamais rêvé d'avoir un lot de piquetrons? Estampillé Mathéo, qui plus est. Avec un peu de chance, d'ici peu, tout le monde voudra fabriquer un lot de piquetrons. Tu pourras peut-être m'aider à démarrer une autre sensation internationale, l'arnache. J'aime bien son intérieur. Moi, son intérieur, il me plaît vachement à Mathéo. Vraiment. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je veux un canapé comme le sien. Je veux plein de trucs. Mais j'ai pas encore vu de canapé en vente. Enfin, c'est un peu chiant. Alors. Et Grognon n'est pas chez lui. Oh bah Léo, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, te voilà Sarah, ça fait des heures que je te cherche, ou des secondes. Dès que je me lève de mon canapé, le temps me semble passer au ralenti. Enfin bref, j'ai enfin trouvé la tenue sous-vêtements longs que tu cherchais, lionceau. De quoi tu parles? Comment ça, de quoi je parle? T'en veux pas? Eh bah trop tard, c'est à toi maintenant. Je m'étais mis dans la tête que c'était ce que tu voulais, alors tu peux pas refuser ces cadeaux. J'espère que ça te plaît, même si c'est pas quelque chose que tu cherchais. Ça va? Qu'est-ce qui t'amène? Devine un peu à quoi je passe mon temps ces jours-ci. Je me balade en mangeant du clafoutis. Avant, j'adorais grignoter du gingembre confit en me promenant, mais ça, c'était avant. D'accord. Bon, demain, ce qu'on fera, c'est que je rangerai la maison. Marie-Lou est là. Par contre, Grognon, il est vraiment pas trouvable, quoi. Après, l'île prend tellement de l'essor que je suis sûre qu'on va chercher des gens. Bon, Racine, on a pris tout ce qu'il nous fallait. On va chercher des... On va perdre des gens, en fait. Maintenant que tout est installé, pratiquement, on va perdre des gens. Faut aussi qu'on démonte le pont aussi. Il est introuvable. Il doit être dans un des vergers. On le voit pas à cause des arbres. J'aurais voulu au moins dire bonjour à tout le monde. C'est un truc de malade.
sais pas où il est. Bah, j'ai fait le tour de l'île. Ou alors il est dans le magasin, il est dans un des magasins. C'est possible. Ça, c'est possible par contre. Il est pas là. La duchesse Servoi te fait l'entre des vêtements griffés. Oh, il y a une couronne. Ça, j'aime bien. Merde, je sais pas ce que je voulais faire. De toute façon, je n'ai pas les sous. Oh, le pull là, il est chouette. Mais là, j'ai pas de sous. Baisse décontractée. Sont bizarres les robes dans ce jeu. J'ai des robes à sequins. J'en avais acheté. J'avais acheté des robes, une robe avec des froufrous là. C'était joli, mais je trouve qu'elles sont vraiment trop bizarres les robes dans ce jeu. Casquette militaire. Chapeau d'élève. Mais on aura l'occasion hein, de... Putain, ça c'est pour ma maman, elle était surnommée Calimero quand elle était petite. Les vêtements reviendront, hein. Y a pas de souci. Ça aurait été bien pour ce que je portais aujourd'hui. Mais c'est pas grave, ça viendra... Là, aujourd'hui, on compte les sous... Aujourd'hui, on compte les sous pour faire les rampes, donc on n'achète pas de fringues, mais ça viendra. Mais on en a beaucoup déjà des fringues. Bon, ma grognon, je sais pas où il est. Je sais pas s'ils peuvent être ailleurs. Je vais faire un tour de musée. J'ai pas envie de lâcher le jeu. J'ai pas envie de lâcher le jeu. Mais c'est pas là que je voulais aller. Donc demain, on essaye de se faire un peu d'argent. Pour éviter de... Pour éviter d'avoir à piocher dans nos économies. Voilà. Et puis on essaye de ranger la maison. Un peu. Et peut-être potentiellement de regarder les papiers peints que j'ai et tout. Parce que peut-être que j'aurai d'autres choses que je préférerais.
Toile émouvante. La naissance de Vénus, Sandro Botticelli, vers 1485 Tempera. Ce tableau représente la déesse romaine Vénus voguant sur une conque à sa naissance dans l'océan. Botticelli serait le sobriquet donné au frère de l'artiste dont la corpulence évoquait la forme d'un tonneau. La raison pour laquelle ce surnom a été transmis à son frère demeure un mystère. C'est très solennel comme pièce par rapport à d'autres pièces du musée. Toile parfaite. Pomme et orange. Paul Cézanne. Vers 1899. Huile sur toile. Cette célèbre nature morte a inspiré de nombreux peintres dont Pablo Picasso. Plutôt que de chercher à reproduire une image, l'artiste a saisi la beauté des formes sous différents angles. À travers cette toile, Cézanne rend parfaitement l'atmosphère du sujet tout en interpellant le visiteur. Par contre, on n'avait pas une autre toile. On court pas dans le musée. Je fais ce que je veux, c'est mon musée. Alors ça, c'est surprenant. Ah, elle est là. Toile académique. L'homme de Vitruve, Léonard de Vinci, vers 1487, encre et la vie sur papier. Ce dessin représente les proportions idéales du corps humain telles que décrites dans De Architectura. Il s'agit d'un traité rédigé par un Vitrivius, un architecte du 1er siècle avant Jésus-Christ. Ok. Ça craque. Oh, pardon. Je suis fatiguée. Tribolite. Anomalocaris. Milocunmidia. Je sais pas si ça se dit comme ça. Dincleosteus. Eusténoptéron. Je sais pas. Ammonite. Ça, je sais. Ambre, ça, je sais. Ça, je sais dire. Acanthostega. Mandibule d'hélicoprion. Bon, puis après, il faut vraiment que je me mette... Pardon. Faut vraiment qu'après je mette en route mon live. Ophtalmosaure. Plésiosaure. Archélon. Quetzalcoatlus. C'est pas fini. Pteranodon. Je crois que je vois lequel c'est celui-là. Mais je suis pas sûre. Diplodocus. Dimétrodon. Juramaya. Deinonychus. Nicus. Archaeopteryx. Brachiosaure. Je lui cache la tête au brachiosaure. Dinosaure, coprolite, empreinte de dinosaure, le T-Rex il lui manque la tête, pachycéphalosaure, tricératops, il nous manque deux parties je crois de tricératops, iguanodon, là il manque un bout. Parasaurolophus. Stégosaure, pareil, il nous manque l'avant. Ankylosaure.
Je suis naze, naze, naze. J'ai l'impression que je voulais jouer à Spiritfarer ce soir. À mon avis, c'est un peu mort. Je suis trop fatiguée. Je pense que je vais faire un peu de potion craft, peut-être. Australopithèque. Bon, Totérium. Il manque le cul de celui-là. Mégacéros. Smilodon. Mammouth. En fait, je voudrais jouer à Stardew, mais je crois que la... Je vais regarder. Je crois que la dernière VOD, elle est pas tout de suite. Merde, je suis conne. J'ai pas fait ce que je voulais. Pas grave. Non, Stardew, la prochaine planification, c'est le 28... C'est dimanche. C'est dimanche à 9h. Donc normalement, on joue à Stardew dimanche. Enfin, vous, ça sera passé depuis longtemps, hein. Là, on est mercredi 24. Cette vidéo-là, elle aura pas lieu avant la semaine prochaine. Donc, concrètement, voilà, vous saurez déjà ce qu'il y a eu comme live. Mais du coup, je voulais finir Spiritfarer ce soir, mais je crois que je suis trop fatiguée là. J'ai mon ventre qui fait du bruit. Psyché, guêpe. Elle est où la guêpe? Elle dort? Elle dort. Peut-être que c'est pas le bon moment pour regarder les insectes. Ah, elle est là la guêpe. Elle se fout de la gueule du monde la guêpe. Buprest. Capricorne des agrumes. Je regarde vite fait. Hein. Là, il y a la menthe, je crois. Ouais, c'est ça. Punaise. Là, il y a un papillon sur l'arbre. Il y a un papillon sur le poteau. Demoiselle Anax Napolitain. Là, il y a l'araignée et la guêpe. Mais j'ai encore pas mal d'insectes et de poissons à rechercher. Normalement, de ce que j'ai vu, il y en a encore à peu près la moitié. J'en suis à la moitié, en fait. Punaise d'eau géante. Arrgh. J'en suis normalement à la moitié pour attraper créatures marines, poissons et insectes confondus. De ce que j'ai pu voir. Ouais, ils font dodo les papillons. Ils font dodo. Il y a l'escargot et la coccinelle. Ils font dodo. Puis du coup, toute cette zone-là, ils sont pratiquement toute cette zone-là, ils sont en train de marcher dans tous les sens, de grouiller de partout. Oh! Mille pattes, papillon de nuit, cloporte. Il y a que elle qui dort, menthe orchidée. Parce que elle est hyper active là. Non mais regardez là. Perk. Tarentule. Bousier, il fait dodo. La Ligie a fait dodo. Le Bernard l'ermite, il est actif. Là, bon, j'ai toujours pas la fourmi. Oh! La sauterelle, elle est là. Ils l'ont mise là, la sauterelle. La Crida cinerea. Ça, c'est la taupe grillon. Burk. Je vous ai déjà dit que j'étais pas fan des insectes. Je crois que je vous l'avais déjà dit. Il me semble. Je sais pas combien de temps elle va avoir duré cette vidéo.
Je crois qu'on est à presque 3 heures. Je crois. Mais c'est pas grave. En fait, c'était pas prévu comme ça. En fait, c'était juste pas prévu comme ça. C'était pas prévu que je fasse une pause et que je reprenne après. Sinon, je l'aurais découpé en deux, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Fondule barré, je me souviens pas de celui-là. Poisson rouge, cyprin doré, guppies. Je veux des guppies pour mon chez moi. Néon bleu. Tétard. Ah oui, je les vois. Bouvière. Loge des temps. Crapé. Bar. Carpe. Carpe koi. Ah, l'écrevisse, elle est là. Trop drôle. Écrevisse. Bon, là, il n'y a toujours rien dans ce gros... dans ce gros aquarium, là. Omble. Gobie d'eau douce. Perche jaune. Carassin. Chevenne. Vandoise. Ils nagent tous à contre-courant. Éperlan et surgeon. Mais je pense que ouais, je vais faire du potion craft ce soir. J'ai besoin de trucs calmes et pas prise de tête. Wakame, balane, étoile de mer, turbo, ormo, hippocampe, poisson ballon qui se planque dans le mur. Allez, montre-toi. Il est pas gonflé. Calmar. Vivano. Limande. Cardo. Il est 8 heures. Vous avez l'habitude en ce moment. Je suis très en retard en ce moment. Craft de Dungeness. Allocynthia. Roretzi. Poulpe. Huître. Poisson scorpion. Ishidai. Bar commun. Clion. Pétoncle. Crabe royal. Bulot. Crevette nordique. Huître perlière, homard. Concombre de mer, langouste. Crevette menthe. Poisson clown. Ça me gratte. Pieuvre parapluie. Anémone de mer. Limace de mer. Moule. Bon allez, ça, faut que tu quittes le jeu. Comment qu'il s'est précipité sur les anchois? Je suis sûre qu'il embecte. Gardez. Je suis sûre qu'il embecte au passage. Anchois. Ton. Il fout le bordel à chaque fois. Chinchard. C'est trop drôle ça. Cochon de mer, corbeille de Vénus. Ils me font mais hurler ces crabes là. Macropina. Poisson lanterne.
Crabe des neiges, crabe araignée géant, calmar luciole, nautile. Ça fait longtemps qu'on n'a pas ramené des trucs. Hein. Bon, en tout cas, je m'excuse pour cette vidéo ultra longue. J'espère que vous avez été chercher une boisson chaude, un truc à manger, que vous vous êtes posé devant moi. Des fois, je regarde les vidéos. Je me mets devant ces vidéos-là, ce genre de vidéos-là, pour dormir. J'avoue. J'avoue que je m'endors devant ce genre de vidéos. Après, c'est un petit peu chiant parce que... Parce qu'après, quand je me réveille, je fais « Oh putain, je sais pas où c'est que j'en étais ». La lune a l'air d'être pleine. Bon, on saura pas. Elle est trop à droite. Oh, il est là! Mais qu'est-ce que tu fais dans mon potager? Tout va comme tu veux. Je fais une ronde à la recherche d'un individu louche, dormite, honnête citoyen. Je veille. C'est trop bizarre ce... Ce personnage est trop bizarre. Sandy, récupère ton bouc s'il te plaît, il me fait peur. Il me fait un peu peur. Bon allez, je lâche le jeu parce que je pense qu'on est à peu près à 3 heures de live, pas de vidéo. On fait une pause, oui, oui. Et moi aussi, je vais faire une pause. Je vais me reposer un petit peu les yeux, faire un câlinou à mes chats et à Gizmo qui a été très sage chez le veto aujourd'hui. Et moi, je vous dis bah, à tout de suite pour... Enfin... Je vous dis à plus tard. Moi, je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure pour un live sur je ne sais pas quoi. Je pense que ce sera un petit live, je suis vraiment fatiguée. Bon. Eh ben écoutez, plein d'énormes bisous les pinous. Du coup j'ai fait crash le truc. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Prenez bien soin de vous. À très très vite. Ciao, ciao.